le tuto, ce sera le tuto 2, où là vous allez voir, elle est libre, elle avance, et si elle croise des gens, il n'y a pas de truc. Il faut être détendu, regardez, elle va aller vers les personnes. Et qu'elle va voir. Oui. Merci, elle va venir. Je crois que c'est un border. C'est exact, c'est un border collie. Merci, mais si vous dites beau, elle va pas être contente. Ah, pardon. Non, je rigole. Mais elle est susceptible. Ah. Eh oui. Donc maintenant, elle va dire bonjour aux enfants. Je me disais, ça peut être vous allez voir. Comme vous voyez, voilà. Donc son but, elle va de suite aller au contact, dire bonjour. Et une fois qu'elle a dit bonjour, elle va continuer son chemin. Oh, elle est beaux yeux. Et elle va aller vers les enfants au passage. Regardez, gauche. Non, descends pas la rivière. Et voilà. Si elle regarde, tant que j'irai sur place, elle va rester au contact. Mais si moi maintenant je pars à gauche, à droite, elle va venir. Rip, gauche. Et voilà. Et là à gauche. Voilà où elle va boire. Ou... Et là elle remonte. Allez. Et là maintenant, où elle va voir les enfants, tout dépend. Mais si elle les a vus une fois, après, une fois qu'elle a dit bonjour et continue son chemin. Donc pour elle, voilà, elle dit bonjour, elle s'est contente. Et maintenant, son but, c'est d'être avec moi et vivre cette randonnée, parce que là, on la vit. Voilà, on la vit, on la partage ensemble. Vous voyez, elle part à gauche, à droite. Bon, là, elle va dans le bon truc. Là, en haut, je vais regarder. Si elle part à droite, moi, je vais aller à gauche. Et si elle part à gauche, je vais aller à droite. Vous verrez bien. Mais je vais faire de plus en plus de tutos comme ça. Comme ça, quand je suis extrêmement fatigué, que ben là, bon, là, ça va pour faire une petite promenade, mais ça m'épuise depuis le 3 août. Ben, il faut que maintenant je reprenne des forces, ça me lâche. Donc là, vous voyez, elle part à droite. C'est pas un souci. Même moi, je vais aller à gauche. Ça veut dire que là, je sais que le laps de temps, il va être très court. Parce qu'à un moment donné, elle va se tourner. Elle va pas attendre 10 minutes pour se tourner. Regardez, regardez où elle est. Vous voyez, elle attend. Parce que là, elle ne me voit plus. Là, elle est capable d'arriver jusqu'au bout maintenant. Regardez. Là, elle m'a vu. Elle attend. Elle voit que je dis rien. Elle continue. Elle est libre. Allez. Là, moi, je continue. Donc, c'est le bon sens. Donc, à la limite, je lui dis plus rien arrive. C'est-à-dire que tout est tellement naturel. C'est comme si je marche avec un compagnon de route. Je marche avec lui, il va comprendre. Il n'y a pas besoin de dialoguer. Je vais faire, on va à gauche, il va comprendre. On va monter, tiens, on va passer derrière. Oh non, on retourne. Regardez, là, elle part. Je ne vais même pas lui dire, allez, tiens, j'ai décidé parce que je me suis trompé de chemin, je repars. Elle m'a vu. Voilà. Elle voit que je pars dans le temps, donc elle sait que c'est fini. Qu'elle ne va plus aller droit. Elle n'ira pas droit. Et là, elle va prendre ses marques devant. Parce que le border collie, il faut savoir, il est toujours à distance du, entre guillemets, je n'emploie pas le mot maître, mais de la personne avec qui il a lié le lien. Donc, là elle me regarde, vous voyez, elle me regarde, elle cherche l'info. À gauche, à droite, on va aller. Elle est à droite. Et là, elle va à droite, elle est contente. Et comme je vous ai montré, par exemple, voilà, je marche, je laisse marcher. Elle va rencontrer des gens, c'est pas un problème, moi je vais avancer. Elle va dire bonjour 2 secondes, elle dit bonjour et continue son chemin. Parce qu'elle va contacter, elle va aller le contact, voilà, elle va faire le contact. Par contre, si en face, il va y avoir quelque chose en danger, là, bon, là, je sais pas si on va en croiser ou quoi que ce soit. Et là, de suite, elle va stopper, elle va me regarder. Et là, elle va me prévenir en fonction de sa réaction. Je vais ressentir sa réaction, de ce qu'il y a devant. Et là, elle va attendre ce que je lui dis. On recule, on y va, c'est un danger ou pas. Comme vous voyez, par exemple, tiens, ça c'est magnifique, j'arrive là, tiens, le chemin est là, mais disons, je veux qu'elle monte là. Vous voyez, ici, je veux qu'elle monte là. Rip. Voilà. Avec la main, je fais ça. Elle a compris, là. Là, elle cherche ce chemin bien, là. Elle cherche par où passer, elle a compris, là, monte. Allez, et voilà, stop. Et voilà, c'est tout. Elle est là,
mais je ne l'ai pas obligée maintenant si elle ne veut pas monter. À part si c'est vraiment une obligation, il faut qu'elle monte là pour pas qu'elle soit en danger. Mais sinon, ben, elle est montée, elle ne veut pas monter. Et elle redescend, voilà, elle a fait. Et elle va continuer son chemin. Et là, je m'en fous, elle part à droite, c'est pas un problème. C'est pas un problème, je m'en occupe pas. C'est pas que je m'en occupe plus, mais je suis tellement lié avec elle, je la sens. Donc moi, je sais que je vais pas rester un quart d'heure sans la voir, ou 10 minutes, ou 1 minute, c'est trop long. C'est-à-dire que je vais... Ce lien, elle va l'établir. Donc si au bout de quelques minutes, qu'elle revient pas, c'est qu'il y a un problème. C'est quoi, elle a vu que ces choses, elle veut que je vienne moi, ou elle, ben, elle est en danger. Mais elle reviendra, et après, peu importe, je ne stresse pas ce qu'il y a derrière le virage, si, quoi que ce soit, la situation. S'il y a un danger, le but, c'est de stopper avant. Mais elle, elle va stopper avant, elle va me prévenir. Elle va prendre les informations. Regardez, là, elle part à gauche. Elle attend. Parce qu'elle sait qu'il y a le chemin à droite. Et hop, elle a vu que je prends. Voilà. Elle est déjà à droite. Donc, je vais essayer de ne pas faire trop long. Et j'essaierai de faire de plus tôt. Bon, laisse un peu long parce que je démarre ce truc-là et je le faisais quand elle est petite. Mais maintenant, comme ça, vous voyez exactement. Et il n'y a pas eu de dressage à RIP. Je n'ai fait sincèrement aucun dressage. Je n'ai fait que de l'écoute entre elle et moi. Voilà. Moi, voir comment elle réagit. Et à partir de là, comment elle réagit, ben, je lui ai montré moi, voilà, certaines choses. À dire, voilà, ok, c'est comme ça, on est là. Comme avec un ami, vous accélérez pas. Vous dites, on va marcher un peu plus dans le truc. Ben, vous lui apprenez, je sais pas, moi, à faire du cheval. Ben, vous le commandez pas, mais vous l'aiguillez après. Et ben, c'est tout. Donc, là, même si elle est loin, vous voyez, mais le temps, il va être très court. Regardez, elle est là, vous voyez, et là elle passe devant parce que c'est qu'on monte. Pourquoi elle va devant? Parce que je suis en distance, c'est pas grave si je vais truc. Je vais la faire descendre à la rivière. Rib, gauche, descend, allez. Elle va chercher le chemin, mais là depuis avant c'est mouillé. Rib, gauche, allez. Allez, allez, hop. Allez, va boire. Bon, de toute façon, elle a bu, donc elle n'a pas soif, elle ne va pas se forcer à boire. Elle est descendue, voilà. Maintenant, il y a deux solutions. Ou je l'appelle, et dans ce cas-là, elle sera là de suite. Regardez, hein. Rip. Et je suis parti. Par contre, vous appelez une seule fois. Une seule fois, il ne faut pas dire, il ne faut pas appeler 10 fois, une. Une seule. Si vous appelez 10 fois, ben c'est fini. Qu'est-ce qu'elle va attendre? Eh ben, elle va attendre que vous appelez 10 fois. Elle m'appelle 1 fois, 2 fois, 10 fois. Vous appelez une fois et vous partez. Pour elle, c'est bon. C'est comme que vous dites à quelqu'un go. Si vous dites go, 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 go pendant 1 heure, ben, le type il reste assis. Tant que vous dites go, il ne bouge pas. Mais si vous dites go et dans ce go, vous êtes déjà dans l'action, vous êtes déjà parti, ben, tout le monde sait que voilà, on part à l'instant. Et Ribelle. Et votre chien, c'est pareil. Ça veut dire que vous l'appelez une fois. Et par contre, il faut être sûr qu'il a entendu. D'accord. Si maintenant vous l'appelez et il n'a pas entendu, forcément, il ne peut pas venir. Ça, c'est normal. Mais vous l'appelez. Après, si vous l'appelez, vous ne voyez pas où il est, mais vous l'appelez, là, vous restez peut-être sur place, ça dépend le danger, ce qu'il y a autour. Voilà. C'est jamais, c'est national. N'appelez pas, partez pas. Maintenant, si vous êtes à terrain libre, voilà, vous le faites une fois et vous partez. Par contre, quand vous l'appelez, jamais ne faire ça. Par exemple, elle part. Par exemple, elle est là-bas. De l'appeler et aller vers elle. Rib ! Et aller vers elle. Ça ne sert à rien. Là, elle ne comprend pas. Vous l'appelez, vous allez vers elle. Donc, pourquoi vous l'appelez ? Donc, après, elle va s'habituer que vous l'appelez, vous allez la chercher. Par contre, elle est là-bas. Vous l'appelez, vous partez. Elle va venir parce qu'elle sera automatiquement pour elle. Vous n'allez pas la chercher. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle veut être avec vous ? Elle n'a pas envie de se retrouver seule là-bas. Non, être avec vous comme moi, j'ai pas envie de partir seule, de ne pas être avec elle. C'est être avec elle. Donc il y a plein de trucs naturels. Et tout ça, ce que je fais maintenant avec elle, pour moi, voilà, ça me suffit largement, hein, Ribelle. Ribelle n'est pas parfaite. Non, elle est par contre, moi, ce que j'en attends. Voilà, ce que j'en attends, c'est ça. On se comprend, bien sûr on ne dialogue pas, mais on se comprend. Je veux dire un truc, elle se comprend. Là, je laisse monter, je suis stoppé. Elle va tourner la tête à un moment donné. Il y a un virage, elle va tourner la tête avant. Elle va prendre l'info.
parce qu'elle va prendre l'info. Si je suis en train de monter, elle va continuer le virage, elle va tourner. Là, je suis stoppé. Je peux vous dire, elle va venir prendre l'info. Savoir ce que je fais. Donc, faut être patient. Là, je la vois, moi. Et elle me voit. Elle est derrière les branches, elle me voit. Regardez. Stop. Ah d'accord, elle a fait ses besoins. C'est pour ça qu'elle a mis un peu plus de temps. Là, quand elle fait comme ça avec les pattes, c'est qu'elle vient de faire ses besoins. Mais derrière, elle avait peut-être fait. Bon, là, il y a deux solutions. Elle va rester là. Elle va pas partir à droite. Ou elle va revenir. Jusqu'à là, elle attend. Elle n'a aucune indication, à part que je ne bouge plus. Donc, pour elle, elle ne sait pas si je vais monter, si je vais reculer. Elle n'a pas cette info. Par contre, elle sait que, voilà, elle va attendre. Elle est là. Elle est venue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu veux faire? On va continuer. Allez, montre la direction. On monte. Tu veux qu'on monte? Allez. Et le virage là-bas, elle n'a pas pris à gauche. Parce que si elle prend le virage, elle m'a vu arrêter. Donc elle sait que là, je vais prendre une décision. Donc elle ne va pas prendre le virage. Parce que si elle prend le virage, moi je suis à l'arrêt. Elle sait que je vais prendre une décision. Elle est là, elle prend le virage. D'accord? Mais je suis en train de marcher, c'est pas grave. Mais de toute façon, elle va s'arrêter derrière le virage. Elle ne va pas aller plus loin. Peu importe ce qu'il y a. Hein. Si elle me voit, elle ira plus loin. Si elle me voit pas, elle ira pas. Elle est là. Hop, regardez la tête. Voilà. Et là, elle part. Et peu importe, je peux partir à droite. Je suis dans sa vision. Là, je me décale un peu à gauche. Si je me décale un peu à gauche, elle va me perdre de vue. Ne vous inquiétez pas, elle écoute aussi. Je peux vous dire, si elle entend ma voix, les pas si. Là, elle réagit aussi. Mais elle est là. Elle me voit de là. Vous voyez, elle est dans le champ. Ok, elle veut s'éloigner, on dira. Elle est là, de toute façon, elle connaît l'endroit. Hein. Donc, elle est partie. Mais par contre, je vais me mettre là-bas. Et tout ça, je le fais plus après. Hein. Ça, je le fais pour la vidéo, mais après tout ça, c'est tellement naturel. Regardez, regardez. Là, elle revient. Regardez. Je sais pas si elle m'a vu derrière. Mais là, elle attend. Elle n'a pas laissé longtemps, hein, parce qu'elle sait que là, le laps de temps est passé. Hein. Donc là, il faut qu'elle ait l'info où je suis. Hein. Ouais, je crois qu'elle m'a vu. Elle a entendu le bruit. C'est pour ça qu'elle reste dans le secteur là. Mais par contre, je vais voir. Je vais siffler. Si je siffle, ça veut dire que là, on part. Et là, regardez. Regardez le temps de réaction. Je siffle, elle est déjà en réaction. Regardez. Regardez là. De toute façon, c'est déjà où elle m'avait vu. Hein. Voilà. Mais tout ça, voilà. Après, je le fais plus. Tout ça. Je fais plus tout ça avec Ribel parce que c'est tellement naturel. Donc, je le fais vraiment pour la vidéo. Donc, il n'y a plus lieu d'être. Voilà. Bon, je vais couper, sinon la vidéo elle va être trop longue. Elle a déjà 13 minutes. C'est beaucoup. Parce que les gens ils regardent les vidéos de 3 minutes maximum et encore. Ben, bref, après, chacun libre. Enfin, libre. C'est un mot qu'il faut plus dire. Moi, je pense qu'il est banni du vocabulaire français. Hein. Donc, bon. Allez, on va pas finir sur cette note. Je fais ça, des tutos pour Ribel. Connaissez ma pensée et c'est là qui ça lui convient pas, ben, il est libre de quitter la page.